Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés. その東京で、ランウェイコレクション歩いてて、やっぱパリコレクションが、なんか一番最高峰なので、パリに行きたいな。あとアメリですね。やっぱりアメリはあの映画結構昔一回しか見たことなかったんですけど、こっち来てあそこに出てくるシーンが全部、あ、ここ出てきたなって思いながらモンマルトル歩いてるして、あ、思えるようになりました。特に人もそうだし、食べ物がすごく、もうチーズとかパンとかジャムとか大好きなので、フランス最高だなって思いました。上を見るとパリはいつも綺麗ですよね。下を見ると汚い。でも街もやっぱり今は少しマシになったけど、犬のうんちがすごくたくさんあるし、ハプニングで言えば、これはみんな同じだと思うんですけど、いつも100年とかもっと前から建ってるアパートに住めるのはすごく最初嬉しかったんですけど、でも住んだらいつもトイレが壊れたり水が漏れたり、それがすごく大変でしたね。Je pensais que Paris, c'est vraiment la Moïva, c'est la Tulle Eiffel, musée de l'œuvre. C'est comme Disneyland pour moi. J'avais pensé comme ça, mais en fait, c'est différent. Le métro, c'est sale, et les gens ne sont pas parfois respectueux. En effet, en termes de propreté, même des comportements dans la rue, je pense qu'on peut parler de façon générale de la sécurité également. En France, on dit toujours, dans le métro, il faut toujours faire attention aux pickpockets, il faut faire attention quand on rentre très tard le soir. Au Japon, on se sent toujours à l'aise, c'est-à-dire on peut se promener à 2h du matin tranquille, on n'a pas à s'inquiéter comme ça. Je pense que le caractère asiatique et français, c'est vraiment différent. Quand j'étais étudiante, j'avais beaucoup d'amis asiatiques, mais ils sont tous partis de Paris. Je pense que c'est parce que la différence de culture, elle manque beaucoup du Japon. Quand on parle de la différence culturelle, il y a déjà la différence de mentalité. Au Japon, lorsqu'on parle de la communication par exemple, on essaye de respecter certaines règles, le silence ou une espèce de la recherche de compréhension mutuelle. Alors qu'en France, quand on parle de la communication, c'est plus une expression des opinions personnelles. Ce qui fait que pour certains Japonais qui arrivent en France, parfois ils sont choqués d'avoir des interlocuteurs français qui expriment très directement leur opinion, qui fait qu'ils peuvent se sentir parfois mal à l'aise. Maintenant, je travaille avec dans une confiserie. Il n'y a que des Français. Ils sont très sympas, mais en même temps, c'est difficile pour moi. Je dispute beaucoup avec eux. Ouais. J'ai commencé à fréquenter une association qui s'appelle Green Bard, donc qui consiste à nettoyer les rues parisiennes. En effet, je pense que ce genre de réseau d'entraide est très important pour la population japonaise.
mais que ce genre de réseau ne soit pas considéré comme communautaire, qui permet de faciliter les communications de façon plus globale. De cette association Vivre de Paris qui a été originellement fondée au Japon en 2003. C'est par hasard que dans un article j'ai trouvé l'association Vivre et j'ai commencé à y participer depuis 2009. Et à l'époque c'était un ingénieur japonais qui gérait l'association et avec son départ. Il fallait que quelqu'un continue l'activité de Vivre. On pense que c'est par exemple 10 dernières années, on constate qu'il y a beaucoup d'évolution, beaucoup de différences par rapport à la fraternité. Mais je pense que c'est quelque chose qui prend du temps, changer la mentalité des gens, etc.